Salut, c'est Nono, on se retrouve pour une vidéo de Hearthstone, aujourd'hui encore pour un bras de fer. Donc le bras de fer, c'est des decks tout faits, donc pas besoin de faire de deck, c'est parfait. Échanger des histoires avec vos collègues à l'auberge du Fastival, lol. Choisissez une classe et nous remplirons votre deck de déphaseur de sort. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué parce que je n'ai pas eu le temps. Mes études, enfin, vous voyez un peu le topo. Donc du coup, ben, on va prendre ma classe préférée, hein, parce que là vous regardez, 27, 17, 14, 15, 19, 11, 17, 13, 17, il n'y a que celui-là que je joue quasiment. Genre les autres je les ai montés un petit peu pour avoir les cartes, c'est tout. Réellement il n'y a que le mage que j'aime bien jouer. Donc c'est parti, on va voir ce que tout ça nous donne, tout simplement. Donc, alors, elle va contre un mage, mais c'est parfait. Comme ça, c'est parfait. Plus ou moins. Alors, bon, de toute façon, on va pas meuler, ça sert à rien. Lol, putain, mais qu'est-ce qu'on s'amuse, mon dieu. Donc, on va voir au prochain tour ce que ça nous donne. Ah, on commence avec deux. Je sais plus si c'était ça la dernière fois avec... quand on avait eu pareil des déphaseurs de sort et tout. Je sais plus s'ils nous avaient déjà donné deux cristaux de mana dès le départ. En soi, c'est logique, parce que comme c'est un peu aléatoire, si t'as pas de créature tour 1, c'est un peu con. Alors, détruit l'arme de votre adversaire, voilà. Chaque fois que vous ciblez ce serviteur avec un sort, inflige 3 points de dégâts à un adversaire aléatoire. C'est pas mal. Donne plus 2 à vos mecha. Bah écoutez, je vais poser ça en premier. Et fin de tour, ça ne sert à rien de faire ça. Encore faut-il que j'arrive à le cibler avec un sort. Parce que. Je ne sais plus. C'est des sorts chaque fois qu'elle va être. Oh merde! Ah bah ça c'est un peu con. Ah bah oui. C'est même carrément ballot en fait. C'est même carrément ballot. On va faire ça et ça. Parce que du coup si je mets un sort pour la booster elle, elle inflige 3 à un adversaire aléatoire, mais du coup lui gagne 2 d'attaque. Donc c'est carrément ouf. Enfin, moi ça me fait triper, quoi. Genre j'hallucine devant cette situation, quoi. Je trouve ça mais tellement bien tombé. Il fait comme moi et il va me la buter. Mais c'est pas grave, je le buterai après. Je lui buterai après, y a pas de souci. Alors, réduit au silence vos autres serviteurs. Si vous possédez un mecha, réfléchissez au point de dégâts. Hein. Gagne plus 1 pour chaque autre carte dans votre main. Mais c'est parfait. On va d'abord faire ça. Merde, c'était 2. Oh la boulette. Oh lolo. Oh, je suis tellement con. On va faire pièce. Oh mon dieu. Oh, je suis mais tellement con. Je croyais que ça coûtait 1. Genre dans ma tête, pour moi, ça infligeait 1, ça coûtait 1. Genre le truc débile, quoi. Oh mon dieu. Oh, je suis débile. Qu'est-ce qu'il fait, lui? L'attaque. Oh merde, putain. Oh merde, putain. Oui, on va pas le buter parce que c'est une sorte pénible. Dégâts des sorts plus 1. Ajoute un sort de mage aléatoire dans votre main. Et vous gagnez plus 1 aux dégâts des sorts. On va poser lui. Bah, même, on peut même en poser 2. Puis même faire pouvoir héroïque. Ça m'embête. Poupipou. Je vais mettre un ici. Donc lui, clairement... je sais pas si je vais m'amuser à le buter, parce que si le mec il remet que c'est une 6-6 que je dois gérer tout le temps, qui monte à chaque fois, ça va être hardcore. Donc... je pense que je vais pas trop m'en occuper. Ah bof. Bah.
J'ai un serviteur d'échec deck si. Coup de plus. Bah oui, mais ça sert à rien comme carte. Ça ne sert à rien. Bon, je sais pas si je la renvoie. Bon, allez. Merci, c'est gel. Et. Ah, mais non, mais ça gèle. Donc, du coup, je suis pas forcément obligée. Ah, mais si. J'étais obligée de toute façon. Bah, j'aurais pu faire ça. C'est débile. J'aurais pu simplement le geler. Je joue comme un caca. Un gros caca. Est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir? Non. Non. J'en étais sûre. Et non. Et là, c'est pour que ça fasse une 10-10. J'ai fait du caca. Ah, une pro. Ah, bah nickel. Je vais la. Ça sert à rien, j'ai pas de murloc. Je vais poser lui. Il me provoque et en plus il tape avec, je colle un là et elle meurt. Et du coup, comme il... Bah, au prochain tour il sera à 10 de mana, mais est-ce qu'il va réellement la poser? On sait pas, puis je peux toujours la geler après, hein, c'est... Voilà quoi. Oh putain, le bâtard, il a un secret. Oh my god. Ça va, il n'en a eu qu'un. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ne peut pas attaquer, à moins d'être le seul serviteur sur le champ de bataille. D'accord. Invoque un dragonnet 2-1, chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. D'accord. Je vais d'abord lutter ça. Ensuite, je vais poser ça. Ça m'embête parce que je sais pas ce qu'il a là. Rien que pour savoir, j'ai envie de mettre ça. Ok, c'est pas ce que je crois. Comment bousiller un sort pour rien. Voilà, les tutos de Nono nous apprend à bousiller vos cartes inutilement en fait. C'est génial. Ah putain, il a posé. Alors, si votre deck ne convient tout. Alors, à ce moment-là, je vais faire d'abord ça. Mais. Ah, le seul sur le champ d'attaque, carrément, tout seul, absolument seul. Mais mon dieu, je ne pourrai jamais l'utiliser. À moins que j'ai une putain de carte qui sorte. Non, je vais le jouer. Je vais mettre lui. Si j'arrive à le silence, c'est tellement le bonheur, mais vraiment. Comme ça, bam! Défoncé. Premier coup. Et du coup, là en plus, ah, mais si je le tue, mais... oh merde! Si je le tue, lui reviendra jamais. Donc, mais encore faut-il le tuer? Sachant que là je suis en mauvaise posture, hein, réellement. Bon, mais qu'à coûter un cristal de main, bah ouais, mais. Je vais le rejouer de toute façon. Je vais mettre. Là, là. Ah, un, pardon. Et je viens de péter mon ongle. Le sang va coûter. Le sang va coûter. Putain, je l'ai bien. Ouais, on s'en bat les couilles, hein, réellement. C'est un peu ma vie. Ah, j'ai pas fait fin de tour, pardon. J'ai gelé tout le monde, c'est génial. Il peut rien faire. Incroyable. Enfin, il peut pas attaquer, en tout cas. Sauf que là, après, j'ai plus rien pour geler lui. Là, je me retrouve réellement dans la merde, après. Oh bah là. Je crois que c'est foutu, hein. Je crois que c'est foutu. Je peux poser les deux, remarque.
Oh, oh c'est foutu. C'est foutu de chez foutu. On peut même poser lui. Alors que c'est foutu. Juste le poser parce que... Bah, parce que voilà quoi. Bah en général tu cherches pas. Tu mets... Quitte à me battre, tu mets 10 et 10 quoi. Tu fais pas ça. Bon c'est pas grave. Dans tous les cas... Dans tous les cas, c'est foutu. Donc du coup, j'ai même pas assez de pièces pour ouvrir un paquet. Là, c'est les vacances, bientôt, demain. Donc je vais pouvoir farmer et vous faire des bons petits trucs. Vraiment, enfin vous allez voir, ça va être sympa. Donc sur ce, je vous fais des bisous, plein de petits bisous partout. Puis je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, pour un nouveau bras de fer. En vous faisant tout le temps des bisous, toute la semaine tout le temps. Puis je vous dis à bientôt.